Hello, bonjour à tous. Alors, en direct de l'aéroport Roland-Garros de La Réunion, sur l'île de La Réunion. Donc, autant vous dire, je suis dans un état de fatigue assez avancé, car je suis arrivé de Paris ce matin et de Martinique il y a 3 jours. Et j'embraye directement vers l'île Maurice, où on va découvrir cette île-là tranquillement. Alors, si je pouvais vous comparer, enfin faire une comparaison, je dirais pour les Antillais qui regardent que l'île Maurice, c'est un peu comme aller à Saint-Martin depuis la Martinique ou la Guadeloupe. C'est vraiment quelque chose qui se fait couramment, en tout cas à La Réunion. Et donc c'est ce que nous allons faire. Sauf que là, c'est la Martinique qui part. Bienvenue à l'île Maurice. Donc je suis là à la base pour 3 jours, puisqu'en fait je suis en vacances à La Réunion et donc j'ai décidé de venir passer 2-3 jours à Maurice. Donc j'ai un planning chargé de ouf, je sais pas si je pourrais tout faire, mais en tout cas je vous montrerai le maximum. Sachez juste que ici c'est sympa, on parle français, on parle créole, mais on conduit à gauche comme les Britanniques. Donc je vous raconte pas la galère, mais bon, c'est assez fun. Cœur de Port-Louis, la capitale. Un petit passage dans le marché vraiment authentique et tout. Non, c'est super. Franchement, ça mérite de jeter un coup d'œil. Je suis du côté de Bois Chéri, donc dans un restaurant qui fait aussi plantation de thé. Et qui fait aussi hôtel accessoirement. Le cocktail de bienvenue par exemple, c'est un iced tea, un thé glacé. Donc si je peux vous montrer une image aérienne de à quoi ça ressemble, ça donnerait ça. Pour info, ce sont des toilettes sèches. Donc là, vous avez un sac poubelle et comme chasse d'eau, ben vous avez des copeaux de bois. Voilà. Yes. Ah, mon Dieu. Ok, je pars. Petit passage pour voir dans le jardin botanique des pamplemousses, pour voir notamment les nénuphars géants. Comment des cerfs peuvent vivre à une température pareille? Parce que il fait chaud. Si je vous dis qu'il fait chaud. Juste pour vous donner une idée de la taille, hein, c'est vraiment énorme. Et pourtant, enfin, j'ai pas des grands pieds, mais bon, c'est énorme ce truc. On termine entre guillemets sur le château La Bourdonnais dans le nord de l'île. Bon allez, je ne cache pas que ça fait penser un peu à nos maisons coloniales. Hein. Un peu. Thank you.
T'es sûr de toi? C'est déjà fini, qu'est-ce que vous voulez? Toutes les bonnes choses ont une fin. Moi, c'est vraiment une parenthèse que j'ai voulu faire, mais faut pas faire comme moi. Maurice, c'est au moins une semaine pour voir les gros lieux touristiques et au moins 10 jours pour voir les petits trucs, quoi. Moi, j'ai fait ça en 3 jours. 3 jours, c'est pas suffisant. J'ai fait que courir partout, c'était laisse tomber, c'était pas la peine. En tout cas, grosse destination, Maurice, malgré le fait que ce soit une île et tout, vraiment une grosse destination. Ce qui est sympa, c'est que bon, c'est un peu la même histoire que nous, les Antilles. Et puis, c'est plages et c'est lagons, quoi. Donc, c'est vrai qu'aux Antilles, on a de très belles plages. Et c'est vrai qu'on n'a pas beaucoup de lagons, nous. On ne peut pas tout avoir, hein. Bon, ils ont les lagons, ils ont les requins aussi. Bon, voilà. Mais il y a tellement plus à voir. Il y a toute une population, culturellement, c'est des gens, waouh, super sympathiques. Et puis, plein de bonnes idées pour le développement de l'île, plein de bonnes initiatives. C'est vraiment super. Bon ben là moi je retourne à La Réunion. Je vous garantis pas qu'il y aura un vlog de La Réunion parce que j'ai déjà fait. En tout cas, moi je vous souhaite de voyager, laissez pas le temps partir. Après le Covid, on a vu ce que ça a donné, que tout peut être fermé en un instant. Donc les projets que vous aimez ramener à plus tard là, à un moment il faut les faire. Ok? Allez, sur ce, moi je vais prendre un avion là pour entrer, un tout nouvel avion, un Airbus A220 sur lequel je n'ai jamais voyagé. Donc c'est que 45 minutes, mais c'est pas grave. Pour ceux qui me connaissent, vous vous doutez bien que ça va être terrible. Allez, go, c'est parti.